Infraction morale. Humanité, humanité, vous qui vous heurtez les uns aux autres. Je vous ai vuni votre iniquité et vous vantez de ce que vous croyez être la grandeur, en même temps que vous dissimulez vos défauts. Moi, je vous dis que l'homme qui, flatté, croit en sa grandeur apparente, est un pauvre d'esprit. Et à ceux qui, faune de vertu, chuchotent les défauts d'autrui et jugent leurs fautes, je dois leur dire qu'ils sont hypocrites et qu'ils sont très loin de la justice et de la vérité. Les assassins ne sont pas seulement ceux qui ôtent la vie du corps, mais aussi ceux qui détruisent le cœur par la supercherie. Ceux qui tuent les sentiments du cœur, la foi, l'idéal, sont des assassins de l'esprit. Et combien de ceux-là ne sont-ils pas libres, sans prison et sans chaîne? Ne soyez pas surpris que je vous parle ainsi, parce que je vois, parmi vous, des foyers détruits, parce qu'en négligeant vos devoirs, vous vous êtes créé, en dehors de ceux-ci, de nouvelles obligations sans vous soucier de la douleur et de l'abandon des vôtres. Voyez partout combien de foyers détruits, combien de femmes tombées dans le vice et combien d'enfants sans père. Comment la tendresse et l'amour pourront-ils exister dans ces cœurs? Ne considérez-vous pas que celui qui a mis à mort le bonheur de ces êtres et qui a détruit ce qui était sacré est un criminel? Vous vous êtes tellement familiarisé avec le mal que vous appelez même grand les hommes qui inventent ces nouvelles armes de la mort, parce qu'en un instant elles peuvent détruire des millions d'êtres. Vous les appelez même des sages. Où est votre raison? On ne peut être grand que par l'esprit, et n'est sage que celui qui emprunte le chemin de la vérité.